Il y a beaucoup de souffrance souvent dans mes peintures, mais c'est pour observer l'humain. C'est un miroir que j'essaie de donner aux autres personnes. Ils se regardent, il y a beaucoup de monde qui sont choqués par ce que je fais. Mais à quelque part, je pense que c'est des personnes qui se voient. Oups, ça fait mal se voir. Fait que là, il y a une espèce de parade qui va se développer, puis ils vont dire, oups, j'aime pas ça, cette peinture-là. Tu sais, en fait, ce qu'ils veulent te dire, c'est que j'aime pas ce que j'ai vu de moi-même. Tu sais, souvent, c'est ça. Ça, c'est un moment fort qui m'a marqué. Ce que j'ai voulu exprimer le mieux possible là-dedans, c'est la souffrance de ce moment-là. Ça part de sa tête, là. On voit déjà son esprit qui commence à s'élever. Je m'appelle Claude Bolduc, je suis un peintre, dessinateur aussi. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais la grande ambition de mettre toute ma vie en peinture. Après à peu près 2 ans, je me suis rendu compte que c'était complètement absurde, mon histoire. Là. Fait que là, j'ai laissé plus de liberté, un peu comme l'inspiration qui me tombe dessus. C'est souvent des personnages qui sont dans mon entourage, à qui souvent j'amène une grandeur, une grandeur dit en toute humilité, là. Une sorte de grandeur humaine. T'sais, j'essaie toujours d'aller chercher le côté humain qui est le plus intéressant. Dans le fond, un artiste singulier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui avance d'une... Il y a une autoroute à côté. Ça, c'est, on va dire, c'est les grands courants de l'art. Mais il y a certains artistes qui préfèrent entrer en forêt avec un sécateur, une hache, un couteau, puis ils avancent de même. C'est très lent de cette façon d'avancer, mais ça donne des résultats surprenants parce qu'on réinvente quelque chose. Tu sais, on n'invente rien, mais on peut réinventer, par contre. Je me rappelle du moment où je me suis dit, ben, coudonc, je suis un artiste, j'ai pas le choix. Je suis comme dépassé parce qu'il m'arrive en dedans de moi. Puis j'ai choisi comme médium la peinture, je peins.